soutenir la vision du chef de l'État en félicitant et en encourageant les acteurs de développement et de la paix du Bénin, surtout en cette veille des élections législatives. Telle est la mission que s'est imposée l'ONG EWA Africa. En effet, une cérémonie de distinction des acteurs de développement et de la paix a eu lieu ce vendredi 23 décembre 2022 à Parakou, en présence des représentants de toutes les couches sociales et bien d'autres. Nous sommes dans le cadre de l'organisation de l'événement dénommé Trophée des ambassadeurs pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes à Parakou afin d'inviter tous les citoyens, hommes politiques, membres partisans, simples partisans, autorités, à contribuer à la paix. Nous devons travailler à la paix, surtout que nous venons de lancer la campagne électorale. Il faut que nous construisions notre pays dans la paix. Chacun a son rôle à jouer dans le développement de notre pays. Ces nouveaux ambassadeurs de la paix et du développement laissent parler leurs sentiments à l'issue de la cérémonie. La joie qui m'anime, elle est énorme. Elle est énorme parce que, comme le disait le premier ministre sénégalais, Idrissa Seck, servir les autres, c'est la station la plus élevée de la seigneurie. C'est dans cette dynamique que nous sommes depuis plusieurs années, à travers nos actes sur le terrain, les dons dans les orphelinats et tout. Bon, je crois que c'est tout ça qui nous a fait distinguer aujourd'hui. Nous allons continuer par travailler dans le sens de la préservation de la paix, encore que nous sommes en période très sensible, période qui coïncide avec les élections législatives. Ce matin, je suis très heureux d'avoir reçu ce trophée. Je crois que ce n'est pas la fin. Nous allons continuer très fort le travail, la sensibilisation. Et la paix ne se trouve pas dans les mots, ça se trouve dans les comportements. Donc, ensemble, nous allons sensibiliser pour que la paix règne dans notre commune. Un travail de fourmi a été fait par les organisateurs de cette cérémonie pour identifier même les acteurs de développement les plus discrets. Ces acteurs sont bien conscients désormais de la grandeur de la noblesse de cette distinction qui n'est rien d'autre qu'une invite à maintenir le flambeau allumé. Je n'ai jamais cru que ce que nous faisons, qu'il y a des gens au dehors qui voient le sérieux que nous mettons dans ce que nous faisons. Je voudrais dédier ce prix ou cette distinction à toute mon équipe, à tous mes collaborateurs, pour leur dire ça, eux en réalité revient cette distinction. Sans eux, je ne suis rien. Nous sommes invités à maintenir le cap afin que nous serons toujours les acteurs du développement de notre université, de notre ville et de notre pays, le Bénin. Il faut souligner qu'ils étaient au nombre de 42, venus des quatre coins du Nord Bénin, à avoir reçu chacun un trophée, gage d'un développement harmonieux. Ces nouveaux ambassadeurs partageront la bonne nouvelle dans leurs localités respectives, ensemble pour la paix et le développement.